Hello les amis, c'est Lucas, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 d'Alien Isolation en compagnie de... De monsieur? Bonjour! Attends, de l'ascenseur. Ok, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Oui. Je savais pas que dans ce jeu il y avait Inata. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. En fait, là, tu en as où? Où on a trouvé un gars où on lui avait promis en fait d'aller sur sur notre vaisseau pour se faire évacuer. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, on retournera sur le vaisseau. Il ressemble à Brandon. Ouais, quand on sera sur J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te dis. Tu es un bâtard, mon Brandon, si tu regardes cette vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui ne sera pas le cas, il est ici. Ça c'est sûr, ils nous chopent un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Bonjour. Et tu l'as déjà vu l'alien ou pas? Pas jamais, pas pour le moment. Ça. Tu ferais exprès de l'attirer, ok? Non. Ok? On ne peut pas le voir là. Non, c'est tout. Et où? Mais attends, c'est un film, ça, je l'ai déjà vu. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de... Ah, c'est lui qui m'a poussé avec son crâne. Brandon. Ouais. Bon, le bâtisse s'appelle Brandon. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Oui, je te suis. Il est beau graphiquement, n'empêche. Ouais, ça va pour ce qu'on a vu sur mon téléphone. Bon, j'ai pas envie de dire. Putain, mais... Oh. Allez, attrape par le cul. Des amis à toi? Je suis déjà envoyé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Merde! Qu'est-ce que je fais? Je sais pas à quoi ça servit. Je voulais pas appuyer sur cette touche à la base, mais bon. Ça rend les gens complètement sales. J'avais remarqué. C'est une dingue mentale. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Tant mieux. Ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Je regarde un peu. Dans ce jeu, faut toujours fouiller. Ce qui est essentiel à la création d'objets. Donc ça, c'est une borne de sauvegarde. Faut toujours que tu ailles dessus pour sauvegarder. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de pipe. Donc tu dis oui pour sauvegarder. On va prendre la guitare, ça peut être... Ta gueule. Voilà. Je suis ok. Allez, t'attends quoi là? Ramasse la lampe torche. Oui, il voit une lampe torche lui. Oui, où c'est la lampe torche, mec? Attends. C'est ça. Ah, ça se voyait pas, oh. C'est un casque. Mais non, parce qu'il y a une lampe torche sur le côté. Ah bah c'est une lampe torche, mec. C'est pas gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Ça c'est une lampe torche. Bah putain. Ah ouais, c'est une lampe torche en effet. Allez, grimpe. C'est par là. Ah ouais, quand même, c'est tout massacré, hein. L'alien il est passé par ici, ça se voit trop. Mec, et si tu jetais un reste avec moi. On ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Ah, voilà. Moi j'étais obligé de la faire celle-là. Okay. Voilà, ouais, bah oui, bah là il fait noir, c'était sûr. Okay.
Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous sauter dessus à faire salut, je suis là, j'existe, vous inquiétez pas. Axel, c'est ça ? Attends-moi, j'arrive. Bien bâtard. Allez, c'est bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère, fougère. Je gère, fougère. Ah putain, il me sent trop bien. Et soir, vous m'envoyez, vous. En attendant qu'on m'atteigne cul. Mais t'inquiète pas, Jackie, j'arrive. Voilà. Pas très prudent de s'attarder ici. Nous sommes trop forts. Nous sommes des idéaux. Ouh, Utah HQ. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Je veux prendre son arme, pas toi. Ah, tu lui voles l'arme. C'est le droit d'arme, ton vaisseau, c'est ça ? Pas pour le moment. Chut, j'ai entendu un truc. Éteins-moi cette torche. Ouais, je comprends, ce sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres. Il y a un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. Suis-moi. Oui, je te suis, t'inquiète point. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. On va s'en sortir, promis. Votre monde doit qu'on les attaque. Qu'on les attaque ? On est obligé de passer par la porte. Alors, as-tu une idée de ce qu'il faut faire ? Bah, je crois que tu vas devoir les tuer. Avec ma main. Ouais, mais un par un, je crois. Je sais pas, on va tenter le démon. Qui a vérifié une diversion. Le dernier moi. Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas... C'est quoi ce paquet? Ça peut être un général. Je suis malin. Non, il y a quelqu'un dans les parages. Faut aller vérifier. Mais si je ressors, je vais me faire massacrer. Je fais que ça, te suivre. Il marche trop lentement. Ah oui, il a la confiance en lui. Ouais, mais genre l'ennemi, il était juste derrière toi. Là. Ouais. Toujours sauvegarder dans ce jeu, c'est très essentiel. Hein. Voyez-vous. Il y a rien de spécial ici. On y est presque. Le transit est juste. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Vous mettrez vous mettrez pause dans la vidéo si vous voulez lire. Et pareil ici. Je sais pas ce qu'il faut. Oups, pardon, excusez-moi. Ah. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à le dire. Si vous aimez la petite... Attends, c'est quoi ça? Un midi-kit. Fais-moi un midi-kit. Crée-moi un midi-kit. Kiki pour fabriquer.
objets fabriqués. Ok. Donc si la vidéo vous plaira, comme j'ai dit, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir que vous accueillez une belle série. Je suis content quand même de votre avis sur ce jeu, ça me fait très plaisir. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Okay. On va y aller, Jackie. Donc dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez bien, je parlais d'une personne qui devait faire la vidéo avec moi, ben, elle est juste à côté. Voilà. Prête. À trois. Ah bon ? Un. Oui. Deux. Trois. Axel, derrière toi. Quoi ? On va aller l'aider. Je sais pas. T'as cru que tu pouvais te servir, connard ? Il est con. Merde. Il a tiré. Pourquoi il a tiré ? Ça va tirer l'alien qu'il est tiré, ce con. Maintenant ! Hé, bande de bâtards ! Ouais, et surtout ses. Bouge ! Tuez-les ! Merde, je crois qu'il est mort. Bon, il doit faire rien casser, allez. Et cours pas vite, allô ! Allez ! Je fais un cinématique. T'as buté ce type ? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Le micro était muté pour que les gens s'en fassent passer pendant la cinématique. Bon. C'était quoi ce truc? L'action commence, j'ai envie de dire. Ça, c'est Alien. Faut pas que je m'arrête. J'ai peur, mec. Je sais pas, dis quelque chose, encouragement, je sais pas moi. Mais j'ai peur là. Mais y'a pas l'alien. Ah, c'est là. Si, il est dans les parages, l'alien. Ouais, mais ça va, là y'a des gars. Est-ce que ok. On lui capture ce que c'est. Non, ça c'est une musique. Pas la deuxième porte qui s'est ouverte. Tu dors des jours et des nuits. Ah, la vidéo va durer un peu plus longtemps pour le fun, hein. On va la faire durer un peu plus longtemps, la vidéo. Bah ouais. Allez, vidéo exclusive. Trouver un ascenseur jusqu'à Second Communication. En plus, il fait chier avec ceci, tu vois pas où tu vas. T'as même pas de map. Et c'est par où que ça va s'ouvrir? Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. On va aller là-bas? Ok, bon, mais peu importe. Ah bah si, t'as une map. Ouais. Où il faut aller, par contre, je sais pas si toi tu sais où il faut aller, mais bon, dans l'ascenseur, mais après, je
c'est pas là, donc il faut partir dans l'autre sens, sûrement. Hein. Si c'est pas dans un sens, c'est forcément dans l'autre. T'as pris l'autre escalier ? Ah bah, de toute façon, que je prenne l'autre. Ah, c'est la porte qui est fermée, de toute façon. Il y a un cadavre. Attends. Je ne connais pas. Utilisez le routage pour activer et désactiver le système à votre proximité. Le système. Pardon, j'ai l'impression de le système. Quoi ça? Je fais quoi là? Franchement, je sais pas. La souris, mais après, je sais pas, ils ont dit j'utilise la souris, mais pour faire quoi, je sais pas. J'utilise la mouse. Utilisez votre mouse. Ah tiens, j'ai dû déverrouiller la porte. Bonjour. Il y a un conduit ici. Je perds pas confiance, on va pas aller dans le conduit. J'aime pas les conduits moi de toute façon, je suis conduophobe. Il te tire dessus, elle se taille après. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Trouver une cellule de données, oui. On va faire une technique de bâtard. Par là, je suis sûr qu'elle est en bas. Oh, ils sont trois. T'as vu quelque chose ? Casse-toi, non ? Je connais la technique. Peut-être qu'il faut les attirer, tu te mets là. Vous me voyez? Ils te voient, mais ils veulent pas venir. Ils ont dit ah. Oh, le font exprès, c'est obligé. Ils ont mis la demande devant les yeux. Il est pas là, non. Ah, non, les attire pas. Non, là, tu dois les tuer un par un. Ouais, je suis sûr. Parce qu'il y en a un, il est monté à droite, une à gauche. Et lui, tu le fracasses. Oh merde, le mec en haut il te voit. Il peut te voir, il est juste là. Laisse la porte, elle se ferme, elle te fait un troll face. Attends, si je fais ça. Non, attends. Technique de bâtard. Oh, putain, on peut prendre le flingue. Mais sérieux, oh. Il bouge, mais tu peux pas le prendre. Attends, on va faire cette technique.
What? Ta mère. Bug. Prends plus la tête. Putain, je vais l'utiliser moi. C'est quoi? C'est Medikit. Ouais, Medikit. Objet fabriqué. Maintenir A pour activer. Mais moi, je veux pas le. Je vais l'utiliser moi. Alors. Appuyez Enter. Attends, je l'ai sur moi. Clic de gauche. Vous appuyez R. Voilà. Et du genre, ils sont. C'est pas trop. Je sais pas. Je dirais qu'il le fait pas exprès en plus. J'ai mal à la jambe, aidez-moi. Cet homme est mal, est mal, est mal de jambe. Il n'a plus de jambe. École est pas mieux. Ah. C'est qui a ouvert la porte? Elle s'est ouverte toute seule. Casse-toi, connasse. Pas attendre qu'ils arrivent. J'ai pas remis la vie finalement. Trop fort, hein. Bon, maintenant il faut faire quoi? Chercher du matos. Nouvelle batterie, je sais pas quoi. Une bite. Comme tout à l'heure. Purification de l'air, faut le laisser allumer ça. Il y a de l'air de partout. Je fais quoi là en fait? J'ai fait la purification de l'air, ça a fait de l'air partout. C'est magnifique quoi. C'est là qu'ils attendaient depuis tout à l'heure ces enfoirés. C'est des bâtards. C'est des Zlatan Ibrahimovic. J'espère que c'est pas trop long pour vous les gens. Moi perso j'adore faire des épisodes longs d'un jeu qui me plaît perso. Oh là-bas peut-être qu'il faut que j'aille là-bas. Allez vas-y. Putain, niveau de sécurité trop élevé. Je suis bloqué déjà, je suis bloqué. Est-ce que t'as une idée toi? Non. Tu m'aides vraiment. C'est ça la solution. N'est-ce pas? Peut-être ici qu'on trouve du nouveau matos, je sais pas. Trouvons du nouveau matos. Bon, perso, on n'a rien trouvé ici. Je pense que voilà. C'est un peu mort, on va dire. C'est mort du slip. Tu fais une tête de trisomique. Ça doit faire flipper les conduits comme ça. En vrai, ouais. Non, mais même. Imagine-toi là, tu serais monté, il y aurait la tête de l'alien. Attends. Alors, c'est quoi? Sinon, tu fais. Non. System. Merde. Purification d'air, non. Système de haut-parleur, non. Mais ça s'en fout, non?
Voilà, peut-être. C'est quoi la purification? Non. Bon, bah, mais c'est ça, la purification de l'air. Mais qu'est-ce qu'il y a à chercher à la fin, là? Certes, elle a voulu utiliser quelque chose qu'elle n'est pas arrivée à utiliser, mais après, que faut-il faire, Samir? Une cellule. Une cellule. Ouais. C'est bien beau à dire. Moi je connais pas. T'as pas fait. Tu connais pas le jeu, donc c'est sûr tu connais pas. Purification d'air, ça on s'en fout. On va activer le système d'eau. Non, c'est pas obligé ça le système d'eau. Alors attends, c'est quoi? En plus il te. Ah voilà, attends, il te dit en plus qu'il faut activer. Ça, faut le laisser actif. On va faire un test. Ah. C'est joli aussi vu l'extérieur. Attends, pour toute cette base, il y a un seul alien. Qui te fait chier. Ouais, un seul. Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais un seul, ça c'est sûr pour le moment. Imagine si l'alien il te poursuit, oh. C'est de la merde. Tu sais, il sort de là, pff, bonjour. Je suis l'alien, je suis là pour te faire des câlins. Je suis dans le monde du... C'était quoi? L'alien, par la vitre. Système de sauvegarde. C'est juste qu'il veut t'éclater, mais à part ça, ça va. Je crois que nous allons arrêter la vidéo ici, sinon ça va être trop long. Eh oui, oui, ouais. Bref, les gens, j'espère que cet épisode numéro 3 sur Alien Isolation vous aura plu. Vous pouvez le liker, le partager, le mettre à vos favoris. Ça ne prend que quelques secondes, quelques clics. Bien sûr, les gens, je vous dis portez-vous bien. Je vous dis à tout le monde à la prochaine et vive les jeux vidéo. Peace, les gens. Bye. Ciao.